J'ai toujours vu des anciens, les plus âgés, avoir cette coutume. Et c'était sacré. L'herbe de l'ascension et l'œuf de l'ascension, il fallait ramener ça à la maison. C'était très important. Non, tu vois, vous voyez, il ne faut pas la confondre. Pour Françoise, le rendez-vous est immanquable. C'est ici, Strada di Madiese, en contrebas d'Olmeto, que chaque année, elle cueille l'herbe de l'ascension. Chaque coin est scruté afin de trouver la perle rare, cette plante aux vertus mystiques. Ça porte bonheur, et ça protège beaucoup dans les familles. On l'accueille le matin de bonne heure, on la ramène à la maison, on l'accroche à un petit clou au mur. Mais attention, certaines conditions sont à respecter soigneusement. Je dis qu'il y a la nance aux eaux épaisses, parce que dopo on a plus la stessa magie. Si può risultare contra famiglia è un presagio nuda di buono. Le jeudi de l'ascension recèle son lot de croyances et de traditions. En plus de la cueillette, il faut aussi se rendre au poulailler. Non, mais on n'a mica vu l'altro di scendere nei nidi. Ah non, je ne l'ai jamais. Ben, on va les voir. Les œufs du jour sont ramassés et préservés. Imputrescibles, ils sont censés protéger le foyer de la foudre et des incendies. Il y a même une anecdote des anciens. Dans la région, il y avait un grand incendie. Et puis à l'époque, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Le feu s'approchait dangereusement des habitations. Ils ont jeté l'œuf le plus loin possible. Et là où ils ont jeté l'œuf, l'incendie, les flammes se sont éteintes. L'eau et l'herba di l'ascensione sont conservées, leur tenue dans le temps devrait définir le bon déroulement ou non de l'année à suivre.